Bah, le ressenti positif, étant donné qu'on a pu sentir tout l'intérêt de Sage vis-à-vis des revendeurs dont nous faisons partie. Le fait de bien se centrer sur leurs produits historiques, qui est quand même nous notre métier au quotidien, tout en ayant une ouverture vers les nouveaux produits, mais dans un package, une proportion qui nous convient bien. Puis ça fait plaisir de voir que les partenaires sont récompensés via les awards, via les top 5, via voilà, notre travail est récompensé, ça fait plaisir à entendre. Au niveau des licences, moi ce qui m'a paru important sur les nouveautés, c'est de voir qu'il y avait une roadmap riche, qui avait pas mal de choses, des choses qui sont sympathiques, comme l'ouverture sur les réseaux sociaux, mais aussi des choses en termes de métier, en termes de... on a vu par rapport à la future loi antifraude, de savoir que Sage a été mobilisé sur ces problématiques-là et va pouvoir apporter des solutions pour les clients. Et nous, on va pouvoir être là en conseil, en leur disant que l'éditeur est là, pour qu'ils ont préparé, qu'ils ont travaillé leur copie et qu'on va pouvoir leur proposer des choses. La Linsan reste un produit qui est un bon produit, qui est arrivé, qui a de nombreuses années derrière lui. Et Sage ne pourra pas faire la révolution autour de la Linsan parce que le produit est mature. Mais c'est intéressant de voir qu'il continue à travailler dessus, à innover, des fois sur des fonctionnalités qui peuvent paraître gadgets pour certains, mais on vaut mieux les avoir plutôt que d'avoir un produit qui ne bouge pas depuis des années. Voilà. Donc c'est un produit qui bouge et c'est ça qui est important.